Point de départ, le centre Mbandja. Comme lors des précédentes auditions, la Fondation Sylvia Bongo-Ndimba pour la famille a tenu à magnifier sa solidarité en faveur des veuves. Cette année, elle a procédé à la distribution de 10 000 rubans mauves, symbole de compassion à l'endroit des veuves et du respect de leurs droits. La cellule veuve est située au centre Mbandja de la Fondation Sylvia Bongo-Ndimba pour la famille. Le centre Mbandja, il est au niveau de l'avenue de Cointé, en face de l'immeuble de la Parisienne. Donc le numéro de téléphone, c'est un numéro gratuit, c'est le 1455. Vous pouvez les appeler à tout moment, ils sont ouverts de lundi à vendredi. Ils répondront à toutes vos questions et éventuellement, si vous vivez un veuvage difficile, ils vous viendront en aide et en assistant dans toutes les démarches administratives et avec un soutien financier aussi. D'accord. Voilà. Et les enfants que j'élève ceux-là. Oui, ils vous viendront en aide. Vous appelez seulement le 1455, vous leur expliquez votre cas et ils vous donneront la marche à suivre pour trouver une solution à votre problème. L'opération qui a duré deux jours, du 22 au 23 juin 2013, a permis aux jeunes bénévoles qui ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale d'échanger avec la population et les responsables politiques. L'objectif ici, c'est de faire adhérer la population à cet enjeu de solidarité nationale. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie, parce que depuis que la fondation là existe, beaucoup de parents ne font plus trop souffrir les veuves. Beaucoup respectent maintenant, n'empêche que d'autres continuent à le faire. C'est une très belle affaire. Et moi-même, je suis veuve. J'ai été à la fête de l'année passée. Beaucoup de veuves ont soumis des problèmes dont la plupart ont vu des solutions. Je ne peux que remercier ma fille Sylvia Bongo de continuer son œuvre pour les veuves et les orphelins. Merci. Que Dieu la bénisse. Rappelons en outre que la Journée internationale des veuves s'est concrétisée au quotidien depuis l'adoption de la résolution par l'adaptation de la législation gabonaise et par la mise en place d'instruments concrets contre la violence, la pauvreté et la discrimination auxquelles sont régulièrement confrontées les veuves. Force est de souligner que la Fondation Sylvia Bongo-Ndimba pour la famille œuvre dans ce sens, chaque jour en fournissant depuis 2011, à travers sa cellule veuve, une assistance juridique et administrative, et sans compter qu'elle joue un rôle de médiateur familial. Durant l'année 2012, par le canal de son numéro gratuit 1455, ce sont au total 141 310 coups de fil qui ont été traités.